Les semis, c'est best of 3 ou best of 5? Les semis, c'est best of 3 ou best of 5? Ok. Donc on est parti sur un best of 3 et sur ce match vilain. Pas de striking chez nous. Là, on est là. Voilà, bonne chaîne de optique de la part de Mana. Qui commence à mettre quelques pourcents sur le Greninja Fast Roller Delekao. Voilà, on part sur 2, 1v1, tranquille. On a qui chasse un petit peu d'ouverture avec sa bombe. Les petits optiques, encore une fois, là, on a trouvé ça avec le Mario Scope et le Wario Pluto. Deux joueurs, pour l'instant, ça, on a l'impression de voir deux parties en parallèle. Les joueurs qui cherchent pas trop à se rassembler, ils cherchent plus à se séparer qu'autre chose. Et je pense que Pluto et Alex, ça leur convient parfaitement, vu que 1v1, c'est deux joueurs qui sont en train de se tout simplement. Voilà. Encore une fois, hein. Avec même malgré les switches permanents, voilà, 2v1 sur Elixiao qui remonte sans aucun souci parce que plutôt cover de l'edge. Superbe. En égalité au pourcentage, là les kills vont commencer à arriver. Mana qui trouve une bombe mais qui ne follow pas. Les up smash qui sont livrés aussi de la part de Scope, ça ne touche pas. Voilà, Dance de Wario sur le up smash de Greninja. Excellent, ça finit le premier stock de Mario. Mario pour envoyer plutôt à l'edge. Il n'a plus de moto, c'est bon, il arrive à remonter parce que Mana n'a pas réussi à mettre trop de pression. Ouais, deux joueurs de l'équipe verte qui se réunissent. Ils cherchent un petit peu d'ouverture. Voilà, dash up smash de la part de Scope. Ça tue Wario. Donc là, on se retrouve à une égalité au pourcent. Les Xiao qui est en train de se faire jongler par Mario, il arrive à revenir, voilà, en dessous de terrain, ça lui permet de revenir tranquillement sans trop de pression. L'équipe bleue qui, voilà, qui met du temps en première ligne, cherche une ouverture. Mario qui bat trop avec le pouvoir de frapper Wario, mais ça n'a pas marché. Down throw, c'est pas suivi grâce à la bombe de Mana qui empêche un petit peu, enfin, qui change la trajectoire. F-throw qui a presque tué tout le monde à 165%, Ludo qui va vraiment retenter le coup, voilà. Donc il devine qu'il perd son premier stock là-dessus. Une petite up trop de Greninja, il n'y a pas de soucis, ça clôt le stock aussi. On se retrouve encore avec une égalité, Ludo qui est déjà à 60%. Mario il se retrouve en dehors du terrain, mais qui arrive à remonter tranquillement. Les Xiao qui restent concentrés sur Mana. Voilà, Ludo qui tente un petit peu le coup du traître dans le dos. Ah, parfait. Oh oui, magnifique. Dans le trou de Wario, suivi sur un fer de Greninja qui le renvoie sur Wario et qui lui permet de sceller le stock avec un pet très très tôt. Et là, bah, d'ailleurs, en parlant de stock terminé très très tôt, 95% sur Bluto, 96%. Donc ça permet à l'équipe verte d'égaliser, de ne pas se laisser avoir par ce combo qui avait été vraiment redoutable. Et là, on se retrouve avec l'équipe verte qui est prise en sandwich par l'équipe bleue. Voilà, tentative un petit peu de neutral air, petite. Tranquille, ils arrivent à se regrouper. Wario qui est plus tool, aucun follow-up. Step throw, up air, ça tue Mana à 100%. Extrêmement puissant, voilà. Dans le tilt de Greninja, dans le fer de Wario. C'est pas puissant, mais ça fait des pourcents. Petite bombe pour Mana, Gutenberg qui a du mal à revenir. Voilà, qui arrive à se glisser sous un forward air. Voilà, Gutenberg qui frappe son coéquipier avec son adversaire. Il y a ce match de tout le monde, c'est pas assez parce que Wario est un gros port. Ah, excellent. Mana qui va chercher un petit peu les dash up smash. Je sens vraiment qu'il veut tuer. Ils doivent égaliser, ils doivent même reprendre l'avantage si c'est possible. Les deux joueurs sont à haut pourcent si on les tue en même temps. Avant qu'ils aient le temps de réagir, on se retrouve en 2 contre 1. Et c'est jouable même à haut pourcent. Voilà, un bon smash qui termine le stock de Pluto. Et là voilà, c'est parfait. Ah non, ça ne tue pas. La back throw de Lumi qui manque de justesse de terminer le stock de Lekao. Donc du coup, on se retrouve avec une sorte d'égalité un peu bâtarde. Voilà, un pet Wario sur le grab wifi de Lumi. Ça permet de mettre en place le 2v1, le down throw, tout up smash, un classique. Je sais pas si c'est possible de DI ça pour éviter. Donc ça permet vraiment à l'équipe bleue de terminer. Alors c'est resté serré, ils avaient un stock d'avance et ça a permis à Gluto du coup de revenir sur le terrain et de set up les derniers kills qui étaient nécessaires.
à voir comment l'équipe verte va rebondir là-dessus. C'est rigolo de commenter tout seul. Phase de counter-pick. C'est parti sur Ville Centre-Ville. On vise les KO verticaux avec l'up smash de Mario, l'up smash de Tony, l'up air de Tony. C'est vraiment un choix stratégique de la part de l'équipe verte. Ils veulent tuer plutôt pour gagner, hein, tout simplement. On va voir si c'est possible. Mais le problème, c'est que l'équipe bleue n'est pas en manque au niveau des équipes verticaux. Le fait de Wario. Quand il est complètement chargé, le up smash de Greninja, le up air de Greninja, la up throw de Greninja. Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, petite ouverture tranquille. Les deux 1v1 qui se font tranquillement. Voilà, le backer de Mario qui se fait manger par le up smash 2. Plutôt. Les deux joueurs qui se réunissent. Voilà, c'est plutôt qui essaye de prendre le sandwich. Il y en a qui prend le contrôle de l'edge. Voilà, c'est bien. Alors, grab, down throw de Greninja sur le grab pour mettre des potions gratuites. Ensuite dans le trou de Gomer de Greninja par contre. Vraiment bien joué. Les deux joueurs arrivent à s'entendre un petit peu sur leur intro. On avait dit tout à l'heure que Alex et Gluto c'était des joueurs qui visaient plutôt leur temps de réaction, leur réflexe pour faire des combos plutôt que les préparations et les réponses. Notre alerte du fer qui passe pas sur tout le monde. Le deuxième coup du F-Smash qui passe. Mais là c'est bien dévié de la part de Alex, il n'était pas au bon endroit. Et du coup c'est le smash de Wario en punition sur le lag du smash de Tony qui va tuer, qui va prendre le premier stock. Dans le trou de Wario, le smash glissé de Greninja, ça permet de prendre le stock de Mario. Mais hélas, il se finit par Tony qui perd son stock lui aussi. Il n'y a plus que Gluto qui est à 80% sur son premier stock, donc à une avance considérable. Parce que Wario était en un gros de perso. Il va pouvoir prendre son temps et éviter les kills gratuits et bâtir une avance là-dessus. On a déjà 50% sur tous les autres joueurs. Là, les 1v1 qui se font encore un petit peu, hein, les joueurs sont tout à fait contents de faire ça. Stop qui se fait outspace par le fer de Greninja. Là, ouais, du coup, il roule sur les gens, y compris son coéquipier. Un petit short top, back air, pour punir le grab whiff de Tony. Le down air qui touche pas. Voilà Mario qui pousse Greninja qui a failli le tuer. Un petit backer bien dévié de la part de Alex qui ne va pas se faire avoir. On est tranquille. Un smash de Wario sur Wario qui meurt à 120%. Enfin, vraiment, c'est vraiment deux gros tueurs au up smash. Merci Burning City. On voit que ça fonctionne. Greninja qui est à 100%. Il est à 100%. Voilà, oh là là, le stage pack. Ah, c'est infortuné, vraiment cette phase qui donne un très gros avantage à l'équipe bleue. Voilà, c'était la dash attaque de Wario qui pousse Mario en dehors du terrain. Mario qui va ensuite se faire stage spike par le FB de Toonie. Et on trouve ensuite que Toonie se fasse tuer par Butonic. Vraiment très bien joué de la part de Buto qui avait un V2 complètement à l'aide. Et là, du coup, qui a bâti un avantage de 1 stock, de 2 stocks, de 4 stocks à 2. Bon, ils sont encore assez bas au pourcent, mais c'est tout à fait possible de complètement snowball l'avantage et de fermer la game là-dessus. Voilà, atterrissage sur le shield, neutral des Wario, c'est bien joué. Hop, le back throw, du coup qui préfère mettre de l'espace entre les deux équipes plutôt que d'envoyer l'adversaire sur son équipier. Le personnage qui est bien déhi, voilà. Tooling commence à avoir beaucoup de pourcents dans la crise et qui peut mourir, qui a un kill range. Là, il suffit d'un paix, hein. Je pense que le paix est à nouveau chargé. Ça se cherche. Les deux joueurs qui ne veulent pas du tout commit. Greninja. Une petite ouverture, mais c'est pas suivi. Up smash de Mana qui est fait trop lentement et qui se fait chier par Greninja. Là, Mana qui remonte tranquillement. Stop qui couvre ça. Le paix qui est là, hein, plutôt qui clignote. Le grab n'est pas loin. Petit grab, back throw, ça tue. 160% c'était suffisant à cette distance de l'edge. Nana qui est maintenant à 150% contre les 0% de Buto. Le pec est lancé. Il a tenté le kick sur Scope, c'est pas passé. Scope ne s'est pas laissé faire. Il joue très très safe, hein. Il n'a pas pris beaucoup de pourcent pour l'instant. Voilà, une back throw pour frapper les deux d'un coup. La bombe qui fait descendre Buto de sa moto. La F throw, voilà. Là. C'était la panique du côté des verts. Mana qui a shield, Buto il attendait que ça, il a chopé un petit coup de fesse à la pitch.
et c'est le 1v2. Est-ce que Scott peut arriver à battre deux joueurs de haute voltige? On va voir ça. Voilà, là, l'air dodge qui est up air par Luto, pas de soucis. Red Smash qui est outspace. Très bien joué de la part de Scott qui a décidé de ne pas contre-attaquer le Red Smash. Un push sur le shield. C'était pas safe. Et c'est Dantro, tout up smash. Le move, vraiment le move de cette équipe. C'est un best of 3. Et l'équipe bleue qui remporte la victoire, qui va donc gagner sa place en winner final.